Coucou, j'espère que vous allez bien. Faites pas gaffe à ma tête, je viens de me réveiller. Et qu'est-ce que je vois en me réveillant? J'ai reçu mon colis Shine. Shine, bref, vous dites comme vous voulez. Mais avant, je voulais vous montrer. Oh, j'aime bien comme ça fait un peu elf. Je vais vous montrer deux trucs. Déjà, mon cahier de voyage. Voilà. Le voyage est un retour vers l'essentiel. La belle boussole, les petits pas et l'avion. Donc je suis trop contente. Voilà. Et j'ai reçu mon grand book pour les États-Unis, enfin pour les USA. Et donc je l'ouvre et tout. Et qu'est-ce que je vois? Attendez, faut que je vous le trouve. Là, je vois un hélicoptère. Donc je comprends pas tout de suite. Et là, je vois un bateau. Je vais faire un tour en croisière et je vais passer au-dessus des chutes du Niagara en bateau. Non, je vais passer au-dessus des chutes du Niagara en hélicoptère et je vais faire le tour en bateau. J'ai hurlé dans les bras de mon père hier. C'est hyper. Voilà. Non, je suis franchement trop contente. Donc, voilà. Petit café, hein. Avec bien évidemment un peu de lait quand même, puisque sinon il est pas bon. Trois mères. Donc revenons à nos moutons. La commande. Bon, allez, go. Je déchire. Oh mon Dieu. Je vois des trucs, ça me plaît bien. Déjà, je prends ça. Ah bah, on commence bien. Mais je la pensais plus grande que ça. Ça va être un bordel après. En fait, c'est une brosse peigne. Oh, mais j'adore. Attendez. Ah, ça va, ça démêle bien en vrai, hein. Et après, là, vous avez le peigne. Donc, pour vous faire. L'arrêt là, comme ça, enfin bref, voilà. J'adore. Non, c'est hyper utile. Je vais noter, je vais dire, vas-y, un. Il saoule, lui. Je vais lui mettre un. Virgule 5 sur 10, parce que je pense qu'il y a mieux. J'avais oublié que j'avais commandé ça. Il m'a fallu un temps comme ça, un temps de compréhension. Peut-être que vous avez deviné. Je pense que là. Regardez, c'est pas fabuleux ça pour faire des get ready with me. À part le bruit, vas-y, je m'en fous. 10 sur 10. Un ensemble de bagues ajustables. Je vais les essayer. La vidéo va être longue parce que j'ai commandé plein de bagues. D'abord, on a une croix avec un. Mais le problème, c'est qu'elles sont déjà de base toutes petites. J'arrive pas à les agrandir. Là, j'arrive pas. Je comprends pas. Attendez.
J'aime bien, mais en fait, elle me pince. Du coup, faut que je trouve une solution. Mais j'aime bien. Mais en fait, elles sont toutes petites de base. Parce que j'ai des gros doigts. Après, on a ça. J'aime beaucoup. Parce que tu peux régler. Celle-là, j'arrive vraiment pas à la régler. Bon, je m'en fous, en vrai, elle est pas... J'adore. Trop belle. Comme ça. Et celle-là, je voulais trop, trop l'essayer. Regardez. Oh, j'adore. Mon Dieu. Bon, bah, celle-là, je l'offrirai peut-être à une pote, du coup. Mais j'ai commandé des lots où il n'y a pas... Il y en a, elles sont pas ajustables, donc... Donc, franchement, bien par une que j'arrive pas à ajuster. Donc, un 16,5 sur 10. Bah oui, bien sûr. Puisque si on a le sérum, on a forcément la crème qui va avec. Par contre, faut pas mélanger les produits. Hein. Moi, je mettrais. Je mettrais un par un. D'abord ma crème. Enfin, d'abord le sérum, mais après ma crème. Sur 10, bien évidemment. Ok, là on a plusieurs trucs. Bon, je vais prendre ça. Des brosses de plaquage. Parce que j'ai acheté le. Il est où? Il est là. J'ai acheté le gel de chez Action. Trop bien. J'adore. Sauf que bah, j'avais rien pour plaquer. Genre du coup c'était bien mais nul quoi. Ok. Ça m'a l'air de bien plaquer. Donc bon à tester hein, bien évidemment. Mais franchement, je leur mets un. Allez, à 7,5 sur 10. Celle-là, elle est trop bien, elle est grande et tout. Ouais, je pense qu'elle plaque bien. Ouais, ça plaque bien. Faut vraiment que je cache derrière parce que je suis toujours à contre-jour. Pour faire l'arrêt, ça. Comme ça. Ah ouais. J'essaie de te coiffer avec ça. Non, t'as dit rien, 5 sur 10. C'est quoi d'autre? Ils ont déjà été ouverts. Oh mon Dieu. J'adore. Je vais les mettre juste après, je pense. Mais elle veut pas non plus. J'adore. Ils sont trop beaux. Par contre, ça change du paquet habituel. Non. Bon, il n'y a rien qui change, tout est... y a toutes les mêmes choses. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Et vu que j'aime bien leur qualité, bon après celui-là je ne l'ai pas testé, donc ça se trouve ça change de qualité, mais ça a l'air d'être les mêmes, donc moi je les ai aimés pendant un mois des fois, donc 8 sur 10. Ah, c'est les tatous pour les doigts, je crois. Enfin, pas que pour les doigts, non, mais c'est si tu veux. Parce qu'ils sont tout petits, donc c'est plus pour les doigts, je pense. Surtout pour cet été. Ben non, je vais pas les mettre là. Je vais leur mettre. Sur 10, parce que je ne sais pas.
Et puis ça, ça ne servait pas beaucoup. Quand, mais bon, voilà. Franchement, des fois, ils font ça correctement. Hein. Ils mettent du papier bulle et tout. Donc c'est une pince, voilà, donc c'est des pinces fleurs, je ne sais pas si... Voilà, bon, même si elles ont deux jours, je pense que vous voyez. Franchement, bonne qualité, bonne texture, 8 sur 10, ouais, j'aime bien. Alors ces faux ongles là, je les voulais. Oh, regardez s'ils sont carrément tellement qu'ils sont beaux, ils les ont mis encore sous plastique. Non mais attention. Ta-da-da-da. Ils sont pas trop beaux, trop esthétiques. Je pense que je les mettrai pour la rentrée. 10 sur 10. Oh, elle est trop belle. Que j'ai commandé des baguettes et tout. Oh, j'ai commandé mes montres. Oh, j'avais oublié. Dis-moi qu'elle s'agrandit bien. Oui, elle s'agrandit bien. Regardez, elle est trop belle. Je suis amoureuse. 9 sur 10, parce qu'il y a mieux, je pense. Quoique, non, 10 sur 10. Tiens, bah voilà la deuxième. Et voilà, encore du plastique. Et encore du plastique. Au pire, mettez tout en vrac, genre, dans du carton. Et la deuxième bague. Et elle s'agrandit facilement aussi. Donc j'ai comme ça et la verte. Bon, je préfère la verte quand même. Hein, parce qu'elle, elle est belle aussi. Mais elle, 9 sur 10, elle, 10 sur 10. Ou non, 9,5. 9,5 celle-là. J'aime beaucoup ça. Hein. J'ai commandé que des bagues, je vous ai dit. Ah non, elle rend pas pareil que sur la photo. Bon, c'est pas grave, elle est quand même mimes. C'est des petits cœurs. Enfin, on voit pas, attendez. Ben oui, mais... Ouais. Bon, en gros, c'est des petits cœurs. Bon, à part que c'est pas la couleur que exactement je voulais, je pensais que c'était du rose et du rouge. Elle est 8,5. Non, ça j'ouvre en dernier, c'est des montres. Donc ça, on met de côté. Ça va durer longtemps ça. C'est quoi? Ah! Parce que j'ai commandé un petit collier pour aller avec les cols roulés au noir. Tiens, bah là. J'observe la pierre, attendez. Bah c'est dommage qu'elle soit tenue par des gros anneaux, sinon ça aurait pu être très joli. Très mignon. Et vous voyez, comme ça avec un col roulé. Après.
Ça peut être très joli parce que faut pas que ce soit un décolleté, bien évidemment, puisqu'il est court ce collier. Bon, je l'attendais plus long que ça, mais au pire du pire, je peux rajouter des anneaux pour qu'il soit plus long. Donc, c'est pas grave. Donc, contente. À part que c'est des gros anneaux qu'il tient et que c'est un peu moins joli, franchement, allez, 5, 7,5. Slurp, slurp. Qu'est-ce qu'elles sont belles, Mamma Mia! En plus, elles sont assorties aux ongles. Il n'y a pas. Ah, bah ça commence bien. J'ai perdu les caches. Ah, il y en a deux, c'est bon. Regardez-moi ça. Et en plus, j'ai même pas mis de boucle d'oreille. Donc, je vais pouvoir en mettre. Oh, elles sont trop belles. J'adore. Bon, je vais pas toutes les mettre. Je vais d'abord les désinfecter avant de les mettre. Mais franchement, 9 sur 10. Sachant que. Il y a toujours un truc qui va pas avec. Parce que en plus, elles vont avec les faux ongles. Donc j'ai trop hâte de les mettre. Bref. 8 sur 10. Au pire, vous savez quoi? Regardez, hop, on va tout sortir, on va tout mettre là. Bon, c'est fini après, mais il nous reste 4 trucs, quoi. Mais alors ça, si c'est pas magnifique, je vais pas les essayer parce que je peux toujours les infecter et tout, donc c'est chiant, mais je vais vous les montrer. Je pense que vous les avez déjà vus. Oh Dieu. Donc on commence des petits papillons comme ça dans des anneaux, j'adore. Pareil avec des serpents, des créoles avec des papillons comme ça. Ah mais cette boucle d'oreille là, elle a tourné. J'étais en train de. C'est trop bien, j'adore. Franchement. En vrai, vu que j'adore les papillons et les serpents, je leur mets un 8,5 sur 10. Non, il en manque un. Il en manque un. Quelque part. Ah, il est là. Je savais. Il était collé au truc. Donc, bah non. Il nous reste encore 4 colis. Enfin, il nous en restait 5 du coup. Est trop pressé et il est déjà 18. Donc ça, c'est le même principe que la bague. En fait. Je vous les mets à deux niveaux différents. Mais c'est avec des pâquerettes. J'adore. Bah pareil, en vrai. Non, j'aime moins les pâquerettes. Donc 6 sur 10. Après, j'ai commandé 44 bagues, c'est des lots de 22. Je suis vraiment en train de me poser la question. Bah, je vais vous en montrer 2-3 parce que je vais. Sinon, je vais. Ça va durer 1000 ans la vidéo. Et c'est pas le but. Genre là-dedans, il y a 22 bagues. Il y a de tout, il y a de tout, regardez. Ça me fait une poignée. Et encore là, j'en reste. Déjà, j'en repère. Après, je vais les trier ajustable, pas ajustable. Mais vous voyez, il y en a des comme ça. Des en forme de croix. Il y en a plein d'autres. Il y a encore notre blanche. Il y a celle-là. Qui est trop belle, avec des perles. Il y a des comme ça, il y a des comme ça, encore des anneaux ajustables, mais cette fois-ci en argenté. Ça c'est moche, je l'offrirai à ma mère si elle aime bien. J'aime pas du tout. Je trouve ça grave moche. Bref, donc en tout cas, il y en a plein et je vais faire le tri après, mais j'adore. Trop beau. Et pour finir,
Les mots. J'ai tout excité. D'ailleurs, vous savez que cet été, je pars aux États-Unis. Non, je rigole. Je vais pas vous faire attendre. Ça fait... Oh, j'arrête pas d'y penser parce qu'en fait, j'ai pété ma montre et j'en voulais trop. Et là, c'était un lot de deux. Et je voulais voir si le bracelet, il était à ma taille. Et je pense que mon bracelet, il est à ma taille. Donc là, je commence à... J'ai failli la casser. La plus belle en plus. Mais il tourne pas? J'ai pas compris. Là. Me dis pas qu'il faut mettre des piles. Non, mais parce que sinon elles sont trop belles. Mais ah, il y a un petit défaut là, c'est dommage. Bah, j'irai voir ma mère, mais ça me tourne un peu si je commande des montres qui marchent pas. En fait. Il n'y a que la blanche qui marche. Super. Non, vas-y, c'est déjà bien. C'est une sur deux, c'est déjà ça. Vu le prix auquel je les ai payés, franchement. Mais. Quelle est belle, mon Dieu. Mais du coup, je suis deg parce que je voulais que la noire elle marche quand même. Mais la blanche elle a aucun défaut et la noire elle en a deux. Enfin, trois du coup, puisqu'elle marche pas. MDR. Elle trotte pas. Les aiguilles ne trottent pas. Attention. Quelle heure est-il ça? Bon, bref, il est 24. Je vais essayer d'arranger. Il n'y a rien à faire. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et les montres, bah du coup, je vous les note. Les bacs de 22, je sais pas. En vrai, j'ai oublié de vous les noter. En vrai, 8 sur 10. Et les montres, bah vu que je suis un peu déroulée, je vais mettre 6. Parce que la montre, pour la montre blanche, j'ai un 10 sur 10. Mais la noire, du coup, bah je mets 0 puisqu'elle ne marche pas. Donc voilà. Donc voilà, hein, pour vous montrer, on vous cache pas l'envers du décor, c'est le bordel. Et puis là, bah...
Non, là, c'est mon café. MDR. Tout ça. Voilà. Et moi, je vais filmer ici. Coucou, caméra. Mais donc, voilà, il y a tout ça. Bah non, ça, c'est toujours mon chocolat. Donc, c'est elle qui marche pas. Donc, voilà. Et après, je vais faire la peau de mes photos. Bon, voilà. De toute façon, c'est fini. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous aime. Bisous, bisous. Ciao.